Paris, de Brocante, en 3e arrondissement. C'est parti. Bonjour. Vous faites combien les consoles? 50. 50, d'accord. Ok. C'est la première. Oui, c'est la Mega Drive, la Master System 1. Et ça, c'est la Nintendo 64. Il y a un jeune homme qui est passé qui a dit qu'il avait eu la deuxième. Et... Oui, il y en a, c'est le modèle en fait. Ça, c'est le modèle 1. Ouais. Et après, il y a un modèle 2, mais c'est différent, mais c'est la même chose en final. Hein. D'accord. À l'intérieur, c'est la même chose. Ah, ça reste... Ok, merci, hein, bonne journée. Au revoir. Salut et bienvenue sur le compte rendu du samedi 14 mai 2022 et c'était une brocante dans le 3e arrondissement de Paris et voici ce que j'ai récupéré. Alors c'était très court, hein, vous avez pu voir la vidéo, de toute façon j'avais plus, en fait j'avais oublié de mettre la carte SD mon téléphone et de toute façon il n'y avait que dalle à filmer, hein. À part le stand du mec j'aurais pu mieux filmer mais vu que j'avais que 2 minutes sur le téléphone, il n'y avait plus de place du tout. Bah du coup c'était très court, donc désolé pour ça, de toute façon il n'y avait pas grand chose, il n'y avait que ça. Tout ce que vous avez vu, il n'y avait que ça. Il y avait une autre personne qui était avec moi là, que j'ai rencontré pendant ce Vincornier, que je connaissais pas. Donc il m'a rajouté sur Vinted et le coin. Ça je ferai des échanges avec lui sur, au niveau des jeux. Donc là c'est bien, ça va monter mon full set. Donc j'y suis allé deux fois cette brocante, une fois le matin pour récupérer le jeu. Et après je me suis dit ah je regrette d'avoir appris l'autre jeu. Vous verrez lequel que c'est. Et du coup j'y suis retourné et j'ai récupéré son numéro de téléphone parce qu'il avait plus de 600 jeux apparemment. Là il avait à peu près une centaine de jeux qu'il avait sur lui et chez lui il avait encore 600 autres. Donc il y a quoi faire, il y a de la Game Boy, il y a de la PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, des trucs que j'ai jamais vu. Hein. Il y a un jeu collector sur PS2 que j'ai jamais vu. Donc, ça a sans doute intéressé Sony Adventure et comment ça s'appelle, et Alex Gaming et peut-être d'autres. Hein. Vous verrez dans la vidéo, on voit un petit peu vite fait, je peux plus trop filmer. Donc voici ce que j'ai récupéré, hop, on fait la mise au point. Donc j'ai récupéré le Aversion, hein, pourquoi c'est Aversion? Parce que c'est inversé bien sûr. Hein. Donc c'est un jeu de tir, hein, comme vous pouvez imaginer, puisqu'il a une arme. Et ce qui est bien, c'est qu'il est complet, il y a la notice et le jeu. Par contre, tous les jeux qu'il avait sur son stand, aussi bien PS2, PS3 et PSP et PS4, ils étaient tous en parfait état. Alors là, il y avait un truc qui était waouh. Juste magnifique. Les boîtes, elles sont propres. Elles sont juste magnifiques. On dirait qu'il les a juste déblistées et regardez-moi ça. C'est tout propre. Donc, j'ai pris son numéro de téléphone parce que je vais lui en prendre d'autres. Hein. Cette qualité-là, même les jeux de foot, je m'en fous. Comme ça, je pourrais récupérer les boîtes. Donc c'est un jeu où il faut mettre le monde en dessous. Donc écraser vos amis, maîtriser la gravité, créer des couvertures, des cafés. Pourquoi ils ont marqué une flèche sur le café? Créer des couvertures. Okay. Par contre la boîte elle est nickel. Non, c'est fait par Namco. Et du coup ils sont en parfait état. De toute façon tout ce qu'il avait sur son stand était en parfait état. Hein. Et il y avait une personne qui a pris des Far Cry, je sais pas quoi. Là, je l'avais su, je les aurais pris aussi. Hein. Il y a juste une tâche là, ici, là. Bon, c'est le numéro 1495, donc je lui ai forte chance qu'il ait trophé. Hein. C'est quasi sûr à 100%. Voilà pour ce jeu. On continue avec un autre jeu. Le Dark Souls 2. Alors, c'est le Dark Souls 2 Scholar, je sais pas comment on prononce, Scholar of the First Sins. Non, Sin, il n'y a pas de S à la fin. C'est une édition essentielle. Alors moi, je fais la collection des jeux essentiels et des jeux Platinum. Du coup, il est complet. Le CD, c'est le bon. Le livret, c'est le bon. Et c'est en français, bien sûr. Donc, il y a un petit truc en plus par rapport à l'autre Dark Souls. C'est qu'il y a tout ça comme bonus. Donc, grâce à cette ultime édition, qui vient clôturer l'expérience Dark Souls 2, découvrir une foule de nouveautés et retrouver les 3 DLC à succès. Vous voyez, il y a tous les DLC dans celui-là, l'édition essentielle.
c'est le numéro 2135E. Donc celui-là, il y aura le trophée. Et le dernier jeu où je suis retourné à la brocante, et forcément, j'ai obligé de le prendre, c'est The Walking Dead Saison 2. Il y a marqué Saison 2, mais c'est en français, hein, vous voyez. La boîte est là en français et en super bon état. Donc tout est nickel. Il est complet, le CD, parfait état. De toute façon, tout est en parfait état, hein, vous voyez. Ouais, c'est peut-être moi, quand je l'ai pris le CD, j'ai fait une petite tâche. Hein. Donc ça, c'est ma faute. Pas très grave. Du coup, ça vient compléter ma collection. C'est le numéro 2099. Donc forcément, il y aura les trophées. Donc tout ça, j'en ai eu. Bah, par contre, il a demandé un petit peu cher. Hein, c'est vrai. Bon, j'ai quand même négocié parce que c'était 8 euros l'unité. Et je les ai négociés. Maintenant, j'ai payé 5, 5 et 5. Donc 15 euros. J'ai eu le tout pour 15 euros. Donc 5 euros le jeu au lieu de 8 euros le jeu. Donc c'est très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai récupéré. Mais c'est des bons jeux quand même. Donc ça vient compléter la collection pour le full set PS3. Du coup, merci d'avoir regardé ce compte rendu qui a été très 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 rapide, et ce vide grenier live qui a été très rapide. Merci, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous. Merci à vous d'avoir... parce que là, ça a bien monté, on est à plus de 180. Merci à vous les amis, ciao.